La première des questions sera celle de Mme Michèle Meunier, pour le groupe socialiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je sais l'engagement du gouvernement et votre volonté de construire des solutions concrètes face à la désertification médicale qui pénalise de nombreux citoyens dans notre pays. Vous avez, Madame la Ministre, dans le cadre du pacte Territoire Santé engagé en 2012, décidé de réformes de fond qui ne manqueront pas de porter des fruits à court et à moyen terme. Outre les réformes de la formation médicale, les accompagnements à l'installation, le développement du travail en réseau qui sont autant d'avancées, vous avez aussi soutenu le développement des maisons de santé. Ces centres pluridisciplinaires représentent une solution aux besoins de la population, notamment dans les secteurs en désertification médicale ou en risque de le devenir. La FEHAP, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, recommande et soutient fortement cette orientation. Pourriez-vous, Madame la Ministre, nous indiquer l'état des lieux et le plan de développement de ces maisons de santé à l'échelon national ? Par ailleurs, à l'occasion de la loi de santé, les inquiétudes s'expriment tant du point de vue du corps médical qui craint de ne plus pouvoir s'installer librement que de celui des patients et des patientes qui se verraient imposer un médecin. Pourriez-vous nous préciser, Madame la Ministre, quelle est votre orientation en matière de liberté d'exercice de la médecine et de liberté de choix pour les patients ? Merci. La parole est à Mme Marisol Touraine, ministre de la Santé. Vous avez la parole, Mme la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Meunier. Vous avez souligné l'importance que le gouvernement accorde à la présence médicale dans l'ensemble de nos territoires. Et c'est vrai que depuis quelques années, nous sommes confrontés dans certains territoires à un manque de professionnels de santé, des médecins, mais pas uniquement des médecins, je veux l'indiquer, d'autres professionnels de santé. Je veux insister sur les principes qui fondent l'organisation de la médecine libérale et auxquels vous avez fait allusion à la fin de votre intervention. La liberté d'installation des médecins n'a pas été, n'est pas et ne sera pas remise en cause par le gouvernement. Et la meilleure preuve en est que le pacte territoire santé qui a été élaboré il y a maintenant un peu plus de 2 ans pour permettre l'installation de jeunes ou moins jeunes d'ailleurs professionnels dans nos territoires, c'est tout entier concentré sur des mesures d'incitation, c'est-à-dire d'attractivité. Le pari que fait le gouvernement, c'est de rendre plus attractifs les conditions d'exercice des professionnels de santé libéraux pour valoriser et mieux reconnaître cette médecine libérale. Donc liberté d'installation des médecins, liberté évidemment qui va de pair du choix de son médecin par le patient. Et c'est ainsi que nous encourageons les maisons pluriprofessionnelles de santé. En 2012, il y en avait moins de 200, 170 environ. Elles sont plus de 600 aujourd'hui. 200 devraient ouvrir en 2015. C'est une révolution concrète dans l'accès aux soins. C'est une manière de travailler qui répond aux attentes des professionnels, aux attentes de nos concitoyens. Et c'est dans ce sens que j'ai l'intention de continuer à œuvrer avec l'ensemble des professionnels de santé. Merci, Madame la Ministre. Madame Michèle Meunier. Madame la Ministre, de ces propos qui viennent lever certaines ambiguïtés ou malentendus, notamment sur la liberté d'installation et la liberté du choix de son médecin. Quant aux maisons de santé, je ne doute pas que nous aurons l'occasion d'en travailler dans votre projet de santé prochainement. Merci.